body wants to be the world, it's gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger. Hey, c'est toi, c'est Lydek, et bienvenue dans ce quatrième épisode sur A Hat in Time. Et là, je suis en train de discuter avec ce mec qui s'occupe des mails. Des lettres. Et c'est, en fait, l'accès au niveau. Que j'ai pris sur le workshop. Je ne savais pas. Et je vais tout de suite commencer avec celui-ci parce que il me fait vraiment envie, ce niveau. Alors pour ceux qui se posent des questions, pourquoi j'ai le Mario, le chapeau de ma, pourquoi j'ai Capi, je l'ai obtenu dans le niveau. Ah, trop bien, les rubis, ça a été remplacé par des rubis. Je l'ai obtenu dans, c'était dans un niveau de Mario Galaxy que j'ai fait en live. Il y a un message sur la pierre. En gros, ceux qui ramasseront 100 rubis seront bénis. Glistening gems. Et des sortes de perles. Alors faut que je cherche 100 rubis et 8 gemmes. Je sais pas exactement quoi. Je vais prendre cela. Comme badge. Ouais, j'ai toujours les bons. C'est vrai que je peux ramasser avec Capi aussi. Hop. Ah mais ils sont aimantés, c'est vrai. Ah, j'avais oublié ça. Je vais changer de chapeau, je vais prendre mon chapeau de speedrun. Peut-être que tu veux que j'explore, que j'observe plus ce niveau. Alors... Ah, c'est marrant. On voit que c'est des pierres normales. On voit que c'est les ponds, habituellement. Mais dès que je m'en approche, le jeu les remplace par des rubis. Donc c'est-à-dire que c'est pas le modèle qui est changé de base, c'est des trucs qui vont remplacer. C'est pas mal, c'est comme idée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en bas? Putain, j'ai envie de tester un truc. Normalement, avec mon badge de charge de tir, je peux ramasser des trucs. Est-ce que ça me permettrait de les ramasser là-bas? Ouais, bon, bof, pas vraiment. Je garde mon badge comme ça. Yep. Comment je sais si j'ai ramassé 100 rubis, en fait? C'est une bonne question, ça. Il va se passer un truc, j'espère, parce que sinon, si je sais pas, je peux pas savoir si j'ai des tout dessus. C'est ça les gemmes. Ok, oui, donc c'est ça les gemmes. Donc ça, je sais qu'il va se passer quelque chose, c'est sûr. Hop, y'a quoi là? Y'a rien. Alors, tac. Et oh. C'est un petit problème de collision, tout va bien. Alors je sais pas juste si cette musique vient du jeu original, je n'ai pas joué à Wind Waker. Honte à moi, je n'ai pas joué à Wind Waker. Mais du coup, je n'ai aucune idée. Okay, j'ai aucune idée si c'est la musique qu'il y a de base dans le château d'Hyrule. Ou alors si c'est juste un remix ou un truc. Je vais quand même faire plus de gaffe. Parce que ce serait con que j'en rate. Alors il y en a encore un peu sur cette colonne là. Alors moi ce qui m'intéresse surtout ce sera d'obtenir la Master Sword. Alors je crois que normalement ces blocs là ils fonctionnent. Ouais ils fonctionnent. En fait, le truc c'est que le mode, c'est cette salle, ce temple, il va avec un mode qui gère en fait le script de fonctionnement de ces blocs.
comment je les tourne? Ils sont tous dans le même sens. Ouais, ils sont tous dans le même sens. Comment est-ce que je le tourne? Est-ce que... Non. Est-ce qu'avec un autre chapeau peut-être? Non. Est-ce que ce chapeau-là est utile? Ah ok, il y a un machin en haut. Hey, wow, wow, carrément. Ah mince, non, oui, faut pas les poser sur les trois trucs, faut les poser sur les icônes de Triforce. Eh. Eh non. Et toi? Pousse-toi. Bon, je vais faire un vite en accéléré parce que là, c'est long de... Ça a marché. Je me disais, merde, j'ai pas fait bien, et puis je me suis cogné la tête dedans, et puis ça a marché. Oula, alors, du coup, que se passe-t-il? J'ai allumé la Triforce. J'ai pas... Bon, il y a quoi en dessous? C'est une zone de chargement? Ah oui, c'est une zone de chargement. C'est super calme. Je peux nager? Ah non, ok, il n'y a rien. C'est juste... une pédiluve. Stylé. Ah, stylé. C'est la Master Sword. Waouh. Et ça, quand je pense, ça a été fait par des fans, hein. C'est pas les développeurs du jeu qui ont fait ça. J'ai trouvé la Master Sword. Voilà, la logique, évidemment. Mais enfin... J'ai obtenu la Master Sword. Et donc là, rien ne vaut le fait tout de suite d'aller dans... Dans la catégorie mode. Attendez. Mode. Il est où le Weapons Pack. Figure. Wind Waker. Et voilà. À partir de maintenant, j'ai la Master Sword. Bah je la garde. Hop, voilà, j'ai obtenu la Master Sword, je me bats avec moi à partir de maintenant. Ce SP n'a plus aucun sens maintenant. Je me bats avec une avec le Master Sword, avec un chapeau de avec Capi. Mais bon, moi j'aime bien, je trouve ça drôle. Alors, ici le machin a ramassé. Mais, est-ce que les rubis se sont réapparus? Non. Hop. Tac. Il va falloir que je les ramasse tous. Ça va être vachement compliqué. Il y en a pas sur celui-ci? Non, il y en a pas. Il y en a pas partout en plus. Bon, je vais faire un super accéléré histoire de choper tous les rubis et puis espérons qu'ils... Ou alors je ferai peut-être limite une ellipse. Pour voir s'il se passe des trucs et puis s'il se passe rien, bah tant pis. Hein. Bon, par contre là pour la recherche des rubis, je sais pas du tout comment choper celui qui est là-haut là. Est-ce qu'on arrive à le voir?
peut même pas le voir. On n'arrive même pas à le voir. Attends, je crois... Ouais, il y en a un petit là et on... Je sais pas si je vais réussir à choper tous les rubis en fait, hein, parce que c'est ultra galère. Il est où? Il y en a là-haut aussi. Ah oui, mais il y a un grappin, hein, il me faudra de quoi me balancer. Donc. Ouais, non, c'est mort, je pourrais pas. Bon bah, tant pis. Hein. J'ai perdu genre 10 minutes à faire ça. Mais bon, au moins, j'ai la Master Sword. Est-ce qu'il était bien? Alors oui, oui, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé bien. Je retourne au vaisseau, ouais. Et donc là, on va partir sur l'histoire normale, sur le jeu de base tel qu'il est. Ah, je vais arrêter de faire un petit peu des niveaux bizarres à droite et à gauche. Oui, je sais, il y a ça. Mais c'est pas là où je vais aller pour l'instant, je vais aller ici. Hop. Alors... Sepcon Forest. Contractual Obligations. Alors... Time of the day. Requiem. Atmosphère. Temps. Tense. Alors, atmosphère sombre et creepy. Ah mon dieu. Alors, ça lag un peu. Je pense que c'est parce que c'est le début de la map, ça vient juste de charger. Je vais peut-être juste... Allez, je vais baisser un peu la qualité. Pour au cas où si ça charge mieux. Je peux pas passer. Alors il me disait les esprits du feu. D'accord. Déconnez pas, j'ai la Master Sword, ok. Ah, il est là lui. Salut. Not everything I sell is of value. I also sell terrible badges, and yet people buy them anyway. Hmm. Ah, c'est bien ça. Alors, il faut 200. 200. Alors. Donc. Là, je peux avoir un scooter avec mon chapeau. Ouais, et là, je peux porter plus de badges. Je vais prendre ça parce que... Parce que moi, je veux pouvoir porter plus de badges. Vas-y, give me that. Et ça, c'est le prochain que je veux prendre. Bon, ça, je vais l'avoir dans pas longtemps. Donc, troisième badge. Et troisième badge, je vais prendre... qu'est-ce que je pourrais prendre comme troisième badge? Le truc chargé? Bah! Je peux tirer des lasers avec la Master Sword. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu veux dire? Salut. Es-tu perdu toi aussi? Je suis perdu depuis tellement longtemps, je ne peux plus m'en souvenir. Ah. Désolé pour toi. Yo hein. Yo. Mais c'est en sorte qu'il tire des lasers. Ah. It's a trap. Merde. It's a trap. Ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Yourself. Nobody enters my home and leaves a
here. Don't worry about the details. I just need you to sign right here at the bottom. Ah, si je veux pas. T'inquiète, j'ai la Master Sword, je peux détruire le mal. T'inquiète. En doigt, c'est hyper sensible ce genre. Si je fais un moindre petit coup, elle tire avec. Hein. Qu'est-ce que c'est? Alors, contract. Alors, nettoyer le puits, d'accord. Alors, il faut que je trouve le village, que je tue les esprits, que je nettoie le puits. Alors, les... je pourrais débloquer l'acte 1 et 2. Ok, donc je dois récupérer tout ce que je veux. Decline. Don't make this difficult. You don't really have a say in this. Sign the paper. Non. Don't think I make this clear enough. Your opinion doesn't matter to me. Put your name on the contract, or I'll make your dead hollow body sign it for you. Okay, okay. Bon. Allons-y. D'accord, et c'est tout? Ah oui, il est là. Ah, c'est cool, comme ça je peux voir le contrat. Je vais pas garder le projectile badge, parce que le problème c'est que c'est un petit peu... c'est un peu compliqué. Ouais, bon, je sais pas quel badge mettre à la place pour l'instant. Faut juste que je pense à donner des petits coups secs sur le... parce que sinon, dès que je maintiens trop longtemps, pas, et tiens. À faire un peu partout. Pour l'instant je suis obligé de passer par là. Combien j'ai de pawns? 188, ça n'a pas changé. Alors ok, ça ne sert à rien. Ça c'est quoi? Une pomme. Qu'est-ce que je fais avec... qu'est-ce que je fais avec une pomme? Oh shit. D'accord, ok, ça pète, donc... qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Oui, effectivement, je sais ça. Donc c'est... j'avais amené vers un mec... D'accord. Bon, bah, cool. Dwarf Mask Yarn. Il faut 12 pelotes pour fabriquer ce chapeau. Combien j'en ai? 9. Bon, plus que 3, ça va. Mm-hmm. Qu'est-ce que je viens d'avoir par ici? J'aime bien l'atmosphère, en tout cas, de ce niveau. Là, il va me falloir... d'accord. Ok, d'accord. On peut se faire de l'argent en étant des trucs. Bon, il y a des petits coups de lag parfois, hein. Ça, c'est normal. Mais c'est sûrement logique, hein, parce que après il y a l'enregistrement qui se fait à côté. Tant qu'il y a l'enregistrement. Ah, j'en ai 200. Je pourrais aller acheter le scooter badge. Pour aller super vite avec mon chapeau. Ah, c'est le village. Il y a des renards.
Ok, c'est bien ça. Tuer des esprits et nettoyer le puits. Bam. Alors, ah, encore des... C'est des bombes ou c'est des cerises? Ah, et elle repousse. Ah, je crois avoir une idée. Si je prends ça... Yeah! Voilà. Donc ok, donc faut que je fasse péter tous les trucs comme ça. Est-ce que le vendeur de badge, je peux le retrouver dans ce... Ok, il y a un champion par terre. Si je peux retrouver le vendeur de badge, ça sera pratique. Donc comment, il faut un... Il faut un fruit pour ça. Alors... Il y a un fruit là. La caméra est un peu sensible, je trouve. Alors. Donc il va falloir que je prenne ce mec et que je fonce sur ce petit champignon vert. Ah, ça a marché. Allez, plus qu'une pour avoir le fameux badge, enfin le fameux masque. Le Dweller Mask. Je danse ce qu'il fait. Ah tiens, il est de retour. Oui, j'en souviens, peut-être. Those incredibly annoying fire spirits are sitting right there. Ok. Donc c'est eux les spirites que je dois tuer. This isn't a vacation, and I'm getting impatient. J'aime bien ce personnage, j'aimerais bien savoir comment il s'appelle. Niu. Je ramasse plein de pons. Attends, tu veux pas me dire que je peux pas... Ok, je crois qu'il fallait que je le coupe. Monte. J'arrive pas à monter. Bon, j'arrive pas à monter là-dessus. Je vais passer par un autre chemin parce que c'est chiant. Ok, là, ouais, je vais vraiment vite, c'est pas très, très pratique. Alors. Alors, 0 sur 4, le tableau brûlé. We want to die. Yay! We want to burn bright and then burn out. Become a cloud of smoke. Our bonfire needs more fuel. Ok. You'll come with me. D'accord, ok, come cool. With me. Oh, c'est la musique de la mafia. Pas mal. Ah, je vais enlever le badge de charge parce que c'est pas agréable. Le fait que le moindre petit truc, si j'appuie trop fort sur le bouton, j'ai pas besoin.
besoin de ça pour l'instant. Dégage. Oh, il est là. Voilà, tu es là. Allez, c'est quoi ouais, moi j'en fous, c'est ça ce que je veux. Donne-le-moi. Vas-y, dépêche, dépêche. Merci. Scooter badge. Bye. Donc je vais le mettre à la place de ça. Ah, ça me l'a mis de base. Bah, remets-moi le badge que j'avais avant. Du coup... Hop. J'ai un plein de scooters. C'est moi où il avait changé de couleur. Oh. J'ai eu un achievement à faire des tourbillons avec mon scooter. Trop bien. Alors, où est-ce que je dois aller maintenant? Il est vachement plus pratique maintenant jusque le badge de vitesse. Alors, par là, il n'y a rien à faire. Ah. Ok, donc en fait, les fruits sont considérés comme étant un corps. Il dit quoi, lui? Dwellers, hein, je sais pas ce que c'est les Dwellers. Tiens toi. Viens toi. Je sais pas. Une relique. Merci. J'ai énormément envie d'éternuer là. Ah. À tous les coups je vais éternuer un grand coup. Ça ne sert absolument rien. Ok, ouais, les esprits du feu, ouais. Alors... Ah! Ah! Master Sword! Papa! Y'a rien là à part des bones. Alors si vous demandez pourquoi y'a une couronne dans ma roue de chapeau, là y'a une couronne, c'est un mode que j'ai pris, mais je compte pas forcément l'utiliser là. Voilà, à moins que si j'ai une raison, mais là du coup c'est la couronne du roi Bou en fait. Ça permet de devenir invisible. Et ça s'arrête tout seul au bout d'un moment, voilà. Ça permet d'être invisible et donc les ennemis ne te voient pas. Voilà, j'ai pris ça parce que voilà. Ça m'intéressait sur le workshop. Donc, je sais pas du tout comment, dans quelles conditions j'utiliserais. Comme pareil pour le chapeau d'astronaute, hein. Ces deux-là, ils sont là mais je m'en sers pas. Faut que je trouve une raison de les utiliser. Comme si je les avais débloqués, parce que du coup le chapeau de Capi, j'ai fait un niveau pour réussir à l'avoir. La Master Sword, j'ai fait un niveau pour réussir à l'avoir. Hop. Donc là, son chapeau. Bam. Donc du coup, ouais, il faut que je décide ce qu'il faudra pour avoir le chapeau le casque d'astronaute. Et ce qu'il me faudra pour utiliser la couronne du roi Bou. Et du coup, vu le thème de ce niveau, ça me paraît être un bon endroit. Ah, ça met un petit remix de la musique du marchand de badge. Ah, tiens, là. Hop là. Youhou. Alors ça va être les studios AOL Express, j'imagine. Ou alors peut-être que c'était juste des remix. Bon, j'ai pas trop calé le délire. Bon, comment est-ce que je passe? Merci de me permettre de passer. Ah, ok, là-haut. Comment je vais là-haut? Normalement. Je peux pas faire du saut mural sur ces murs-là. J'ai déjà fait ça. Ah tiens. Voilà. Oh, un coffre. Bam. Du coup, j'ai assez pour me fabriquer un super chapeau. Dweller Mask.
Allez, comme son sort. À quoi ça sert? Mais ça sert à quoi en fait? J'ai mal à savoir en fait à quoi sert ce chapeau. Je vais prendre Capi. Hop là! Bon, je me suis juste jeté dedans, ça marche. Ah, ça suffit? Wow! Murder the Spirits! Génial! Le gars, no care, il se mouche en plein pour les jambes. Mais j'ai déjà le chapeau, ça va? Encore un contrat? Ouais. C'est quoi celui-là? Allez dans le manoir. Trouve ce qu'il y a dans l'attique. Et... ouais, livrer des machins. J'ai pas envie de livrer des trucs, moi je vais aller dans le manoir, attends, trop bien. Ok, vous savez quoi? La couronne du rabou, je l'aurai en finissant le manoir. Voilà, je le dis tout de suite. Parce que ça me paraît cool. Allez, vas-y. Bam, je signe. Et là. Ah, maintenant tout de suite. Ah cool. Pas mal. Ah, je peux pas rentrer dedans. En fait, dans quoi? Je sais pas dans quel truc je peux. Ah, attends. Je vais aller voir avec le mec là qui disait que c'était difficile de parler. Ouais. Je sais pas ce que c'est les Dwellers. C'est vrai que j'aime me renseigner. Mon niveau d'anglais n'est pas assez élevé. Là, moi je vais en scooter, j'ai rien à foutre. La bulle du texte du personnage qui reste encore là. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oui, toujours là. Je sais, mais je vais d'abord finir le manoir. Il y a toujours rien là-dedans. Ah ok, il y a toujours rien là-dedans. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je n'ai absolument rien d'autre à dire, parce que si tu as envie de t'abonner, bah tu l'as déjà fait. Bien. Et si... alors... le manoir, alors Subconwell. Dans le prochain épisode, je ferai le manoir. Coucou. Queen Vanessa's Manor. Oh, stylé. Allez, du coup, je vous laisse sur cette image, et puis... à la prochaine. Ciao.